Je sais que c'est dur. Ce qui est arrivé est inimaginable. Mais pour vous aider, je dois en savoir plus. Mademoiselle. Fetch ! Allez, dites-moi ce qui s'est passé. Ok. Mes parents m'ont dénoncé quand ils ont appris que j'avais des pouvoirs. J'étais... dévastée. Mais mon frère, Brent, m'a jamais laissé tomber. Il m'a prise par la main et on s'est enfui. On a passé plusieurs années dans la rue à faire profil bas, sans jamais se fixer nulle part. On a fait des choses discutables pour de l'argent. Mais le job qu'on a accepté avant de quitter Seattle... c'était pire que tous les autres réunis. Allez, quoi? C'est la dernière fois. Tout y est, on peut y aller? Non, cette fois c'est le jackpot. Combien? Assez pour louer un bel appart. Ah ouais? Ouais. Assez pour un chat sacré de Birmanie. Hein? C'est mesquin. Assez pour un nouveau départ. On en a besoin. Merde, baisse-toi. Quoi? C'est des flics. Bon, planque-toi, je fais diversion. Attends. Fais ce boulot et on part cette nuit. Personne ne retrouvera, hein? Ouais, dès que... Non. Non, n'utilise pas tes pouvoirs. Je vais tuer personne. C'est ma part du boulot. Faites. Ok. Toi. Stop! Regarde-moi! Allez, lève les yeux! Oh, c'est vraiment nécessaire? Officier Hall, procédure en cours! Allez, petite, par ici! T'as vu un gosse avec une crête sur les docks? Si je fouille ton rafio, risque de le trouver? Attendez! Vous voulez voir un truc? Brent m'a toujours poussé à cacher mes pouvoirs. Il disait que si les gens apprenaient qu'un porteur était en ville, il y aurait une nouvelle chasse à l'homme. Mais cette nuit-là, j'étais pas inquiète. J'allais utiliser mes pouvoirs pour faire le boulot. Et on partirait tous les deux. On serait déjà loin quand le DUP se pointerait. Tant que ce flic me lâche pas. Ok, ça va aller. Où se cache le blanc quand on a besoin? Je suis à l'abri?
l'hélico, tu me vois pas, alors dégage. Brent, ça va? Ouais, ça va. Mais dès que t'as commencé à briller, toute la ville est devenue cinglée. C'est trop dangereux, on doit partir, et vite! Le DUP arrive! Tu voulais prendre un nouveau départ? Et tu sais que je veux ce chat. Dis-moi quelle est la mission, et je m'en occupe. D'accord. Mais fais vite. C'est la part entre la troisième et Stone. Entre et chope le sac rouge. Ok. Y'a quoi dans le sac? Récupère-le, et on se casse avec un bateau chargé de fric! Ça me plaît, ça. On va s'en tirer, frérot. T'as toujours un train d'avance sur eux. Fais vite. Je me le pardonnerai pas si tu te retrouvais dans une cellule du DUP. C'est fermé. Stop, toc! On a dit pas de témoin! Tu l'as! Et la mallette! Je veux juste le sac marin rouge. C'est tout! Faut que je me charge. Je vais en avoir besoin. Fetch, tu vas bien? Tu y étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça grouillait de Russes qui dansaient autour d'une bombe. Merde. C'est Akula. Ils l'ont trouvé. Qui ça? Mon boss. S'ils savaient pour l'appart, ils sauront pour le bateau. On doit partir. Vite! Ok, fais tourner le moteur. J'arrive. Désolé pour tout ça. Je voulais vraiment t'offrir ce chaviron. Je sais. La prochaine fois.
T'es où? Non. Merde. Je t'en prie. Chaque fois que je sentais monter la panique, je me concentrais sur Brent. C'était la seule chose qui pouvait me calmer. Je me raccrochais à un bon souvenir. Notre première nuit à Seattle, on s'est réfugiés sous un pont pour s'abriter de la pluie. On a lu des comics à la lampe torche, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et puis, ce type a essayé de nous voler le peu de choses qu'on avait. Et j'allais lui faire payer très cher. Mais cette nuit-là, on a fixé les règles. Règle numéro 1, pas de pouvoir, quoi qu'il arrive. On risquait de perdre du matos. Mais Brent voulait pas qu'on se perde, nous. Mais j'ai utilisé mes pouvoirs. C'est ma faute s'il est plus là! Ma faute! J'ai disjoncté! Ces absences du monde réel m'ont changé. Je revenais avec d'autres pouvoirs comme si mon corps voulait se battre, mais mon esprit... Non. Vous avez bien coopéré, mademoiselle. Faisons une pause. Vous pourriez me montrer les talents nés de votre fracture mentale. Je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs. Nous sommes là pour ça. Je sais pas. La dernière fois, je... Tentons quelque chose de plus simple. J'observerai vos progrès de là-haut. Surtout, n'essayez rien de stupide. Je connais que ça. Non, mademoiselle. Vous êtes toujours là. Tout le monde a des points faibles. Il suffit de les chercher. Ah, voilà. C'est un début. Mais le monde ne va pas vous attendre. Il faut agir vite. Suivez vos instincts.